sommes pas naïfs et nous devons préciser que nous n'avons pas commencé à lutter contre l'esclavagisme grâce aux maîtres des médias américains que CNN. Nous militions contre l'esclavage qui touche notre peuple dans le monde arabe et ailleurs depuis des années déjà. Je ne suis pas venu ici pour faire des salamalecs. Je ne suis pas venu ici pour tourner autour du pot. Nous ne sommes pas venus ici pour caresser les gens dans le sens du poil, nous allons dire la vérité. Mais nous allons profiter aussi de cette occasion pour dire les choses que nous pensons vis-à-vis de la négrophobie qui perdure dans le monde arabe. Dire cela n'est pas du racisme. Dire cela n'est pas du racisme contre tout ce qui n'est pas noir, ce sont pour moi la vérité. Nous sommes gentils avec tout le monde, mais nous sommes discriminés partout où nous allons. Nous donnons de l'amour à tout le monde, mais nous sommes traités comme des sous-hommes partout où nous allons. Nous avons traité l'humanité comme la reine de l'univers, mais l'humanité nous a traités comme des esclaves. Je ne cherche pas à être aimé par ceux qui détestent les noirs, mais je cherche à leur faire comprendre. Nous cherchons à leur faire comprendre que si vous ne nous aimez pas, nous allons vous forcer à nous respecter, bande de rats. Et de faire comprendre à l'Union Européenne qu'ils ne peuvent pas parler de réguler l'immigration alors qu'eux viennent piller nos richesses sans autorisation. Nous sommes une génération qui n'acceptera pas le compromis. Nous sommes une génération qui n'acceptera pas discuter pendant des jours et des jours avec nos barbares et nos oppresseurs. Mais nous sommes venus dire ici que nous ne luttons pas contre l'esclavage simplement qui touche la Libye. Nous touchons et nous luttons contre l'esclavage qui touche le peuple noir dans sa globalité, partout où le peuple est installé. Pères et sœurs du Maghreb, certains sont ici et nous les remercions. Nous leur adressons un message parce que nous ne tournons pas autour du pont. À chaque fois qu'un peuple souffre dans cette humanité, le peuple noir se mobilise pour les autres peuples. Vrai ou faux? Bon nombre d'entre nous se sont mobilisés pour soutenir la Palestine façon barbare d'Israël. Mais nous attendons en retour. Nous attendons en retour que les Maghrébins soient aussi nombreux pour nous soutenir, sinon ils devront eux aussi s'expliquer avec nous. Nous sommes à l'ère de la réciprocité. Quand nous vous donnons la main, vous devez nous soutenir avec égale proportion en retour. Si vous ne le faites pas, ne vous réclamez pas africain quand ça vous arrange. Vous ne pouvez pas être sur le continent africain et appartenir plus à la Ligue arabe qu'au continent africain. Si vous êtes avec nous, vous êtes avec nous de jour comme de nuit. Et si vous ne voulez pas être avec nous, nous ne vous retiendrons pas, vous tracerez votre chemin. Il n'y aurait pas d'esclavage en Libye. Il n'y aurait pas d'esclavage en Mauritanie. Il n'y aurait pas d'esclavage dans le monde arabe aujourd'hui sans la complicité des criminels de l'Union Européenne, mais aussi sans la complicité des premiers terroristes qui existent sur cette terre, en l'occurrence nos présidents africains. Paul Biya, Ali Bongo, ce sont les